Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 178 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à Homefront. Alors Homefront, c'est un jeu de FPS, un jeu de guerre, donc sorti par THQ, notre regretté. Et donc c'est parti, Chaos Studio, hop, regardez, on voit le petit drapeau américain qui apparaît. Voilà, il est beau, avec les étoiles. Et le deuxième drapeau, par contre, je sais pas ce que c'est. Parce que j'y connais rien au drapeau et j'en ai rien à cirer d'ailleurs. Donc, Digital Extreme, allez. Un petit peu long des fois. Nvidia, toujours du bon jeu. It's meant to be played. It's meant to be played. Oh, mon anglais est génial. Donc, c'est parti. On est dans l'écran d'accueil. On va faire une partie solo. On va faire une nouvelle campagne. Voilà. Ouais, c'est parti. The torpedo that sunk the Chunun and took the lives of 46 South Korean sailors was fired by a North Korean submarine. North Korea's weapons program continues to intensify. Now surpassed 1,000 missiles. Global leaders expressed concern over North Korea's latest atomic test. Kim Jong-il's government strongly defended its recent atomic test as a rightful response to Western aggression. The president appeared at the UN to call for severe sanctions against North Korea. This morning comes the news of Kim Jong-il's death. North Koreans greet their new supreme leader, Kim Jong-il's son, Kim Jong-un. Today, our beloved leader, Kim Jong-un, has united North and South Korea, forming the Greater Korean Republic. Talks to end the Saudi-Iran war have stalemated once again. Meanwhile, damaged oil wells and pipelines burn uncontrollably, deeply affecting world supplies. Although costs at the pump are ready to break the dreaded $20 ceiling. Kill the good communist! There's a dead communist! Across the nation, civil unrest has intensified with the demise of the U.S. dollar. This is not a retreat, nor are we abandoning our Asian allies. Under threat of annihilation by the Greater Korean Republic, Japan has surrendered. Martial law is now in effect. Excessive force will be used. After the president ordered a freeze on bank withdrawals. We don't know where we will get our next meal from. The Mexican government has imposed strict immigration quotas, effectively closing its borders to American refugees. Koreans' annexation continues to spread despite the U.S. Today, the Greater Korean Republic launched their latest communication satellite, claiming it will bring a message of peace to the entire world. Donc voilà, on est parti pour Homefront. Alors bon, c'est un jeu qu'il faut prendre quand même au second degré, je parle comme ça, parce que c'est donc l'explosion de la Corée du Nord, qui envahit la Corée du Sud, qui commence à envahir tout un tas d'autres pays. Et là, carrément, c'est de l'occupation en Amérique par la Corée. Donc voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il raconte? Robert Jaffa, pourquoi êtes-vous aussi réticent à servir votre pays en ces temps de crise? Nous savons parfaitement que vous avez tout perdu. Les valeurs du patriotisme devraient vous donner du courage. Notre glorieux chef, Kim Jong-un, vous apprendra à libérer les ressources naturelles de votre pays et conduira chacun à la prospérité. C'est notre cadeau. Mais vous, vous nous avez contraints à examiner votre dévouement pour la cause américaine. Emmenez-le!
avancez. Regardez droit devant vous et restez en rang. Levez-vous, levez-vous, avancez. Tiens, qu'on avance, j'ai dit. C'est pas un mot. Montez dans le bus. Iseki, come to arrive. Mega, tell the gas. Anjo, shikuro. Vous êtes en état d'arrestation. Les mains dans le dos. Alors, petite remarque sympa pendant qu'on est dans le bus, c'est que les machins en coréen sont sous-titrés français, alors que si vous n'étiez pas les sous-titres, et ben c'est en coréen et vous allez vous faire mettre parce que vous pouvez pas savoir ce qui se dit. Donc vous êtes un peu obligé de mettre les sous-titres, même si vous comprenez très bien le français. Alors là, on est dans un bus, on se croirait, je sais pas, Deuxième Guerre mondiale. Et les gens sont massacrés dans les rues, c'est beau. Alors, hop, voilà que le. Eh mec, vous êtes pilote vous aussi. Ah tiens, le mec me parle. Vous êtes pilote, capturer ma famille. Si je fais ce qu'il demande, je ne reviendrai jamais. Oh là. Il y en a un qui vient de se faire exploser devant nous. Voilà, oula. Alors ouais, âme sensible vite fait, parce que bon, du coup là les parents du gamin viennent de se faire déchirer la tronche et devant le gamin. Donc le gamin, bah forcément il est triste, forcément. D'accord, donc ouais, c'est pas pour n'importe qui ce genre de jeu. Ils traînent des cadavres dans les rues. C'est vraiment très penché. Vraiment, ouais, les Coréens c'est des enculés. Voilà, bon. C'est spécial. Je m'étonne d'ailleurs que ce jeu soit sorti en France. Mais bon, voilà. Allez, donc là, qu'est-ce qu'on attend? Un point de contrôle, d'accord. Ah, oula, on se fait scanner la tronche par un petit truc bleu. D'accord. C'est très futuriste. Ouais, parce que du coup, on est en 2022, je crois. Si vous avez suivi la cinématique, on a vu toute l'invasion de la Corée, ça a duré 10 ans là. Mais je crois qu'on est en 2022, actuellement. Vous avez remarqué qu'elles disparaissent. Ils mettent dans des fausses communes à ce qu'on dit. Ouais. Alors là, l'autre, il nous parle, mais on suit le dialogue si vous voulez le suivre à l'écrit. C'est normal, vous n'entendez pas tellement puisque je parle. Voilà. Merci plus tard. Prenez ce flingue. Suivez-moi. Et voilà, on a ramassé un flingue de mec. On s'est fait renverser par un camion, mais apparemment c'était fait exprès. Bon, on est vivant, donc c'est bien. Alors, sortir du bus. Salut, ma petite dame. T'es pas vilaine, toi? Un peu garçon, mais t'es sympa. Alors moi j'ai un petit pistolet de merde. Alors oulala, on se fait tirer dessus. Hop, ah oui, c'est bien ce que je dis, on se fait canarder. Allez, bouge ton cul toi. On avance. On a besoin de vous, Jacobs. Ouvrez le feu. Ah oui. Allez, c'est parti. On avance. Ah, on commence à avoir des ennemis, ça y est, on va commencer pour attirer, voir ce que ça donne. Alors, c'est plutôt stable. Viens là, toi. Hop, hop. Oh là là, je suis déjà presque mort, dis donc. Vous avez plus le choix, vous avez du sang coréen. C'est bon, ça se recharge tout seul, la vie. Se remonte toute seule. Par contre, ouais. Voilà, on a une meilleure arme. C'est mieux qu'un petit pistolet à la con, putain, il me tire dessus. Voilà, on attend que ça revienne. Voilà, ma vie, c'est bon. Et on est reparti pour un tour. Il doit y avoir des ennemis là-bas. Hop.
un petit peu. Allez. Il y a un petit paquet d'ennemis. Allez. Ah, faut y aller tout doucement parce que bon, dès que je me fais tirer dessus, et ben dis donc, t'as bien déjà tout rouge, donc il va falloir que je fasse très attention de pas mourir. Ne laissez aucune munition à l'ennemi. Hop. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on est bien immergé dans le jeu, hop, je prends. Oh, ça c'est mieux ça. Je vais vous laisser déjà 5 minutes de gameplay. On fera deux fois 5 minutes, je pense. Parce que sur un bon jeu comme ça, c'est plutôt intéressant de vous laisser le vrai gameplay à fond avec la musique et tout, l'ambiance. C'est vraiment sympathique. Donc c'est parti pour le premier. Couvrez-moi, je recharge. Merde! Allez, dans l'allée! C'est comme ça qu'il faut faire! C'était pas censé être un sauvetage éclair?
Vous vous reposerez plus tard. Foutons le camp avant que les renforts arrivent. Faites pas, c'est juste une station. Nous revoici au cœur du jeu. Allez, on est reparti. On fonce. Allez, hop. Pas le temps de discuter, terminé. Y a un problème ? Ouais. Allez, on passe. Où c'est qu'on doit aller ? Bah, je suis un peu les gens là, on essaye d'éviter. Hein. Un maximum. Ouais. Hop, les ennemis. Donc on se couche. Voilà. Bon, là il faut attendre. Ouais, faut pas y aller, on va attendre là. Ta-ta-ta-ta. Soyons patients. Je pense qu'ils nous ont pas vus. Restez en position, personne ne bouge. Attendez. À mon signal. Maintenant, allez-y. Voilà, c'est parti. Nous laisse tranquille. Enfin, c'est pas qu'ils nous laisse tranquille, c'est qu'on passe derrière eux. Et donc, ils nous voient pas. La voie est libre. Et ça, c'est cool. La voie est libre, oui. Allez, bah ça, jusqu'à maintenant, elle est libre. Ça va, je m'attendais pas. Maintenant, on continue d'avancer sans se faire canarder. Vous attendiez à quoi ? Je vous signale que vous avez mis le feu. Ouais, l'hélico là-haut, mais c'est bon. Do not enter. C'est ballot, je vais rentrer quand même. Du calme, Connor. C'est pas pour rien que Boone l'a choisi. Alors, pour l'instant, toujours pas d'ennemis, toujours pas d'ennemis. On aurait au moins pu en trouver un. Ça fait un moment qu'on en a pas croisé, je m'attends à en croiser. À la moindre. Au moindre tournant. Alors, nouvel objectif, grimper dans l'arbre. Eh ben, on grimpe dans l'arbre. Jacobs, hop, grimpez hop, là-haut et couvrez-nous pendant hop, qu'on inspecte la course suivante. Et voilà, on est dans l'arbre. Oh putain, oh, il y a plein d'ennemis, ça va chier. Hop. Ah non, non. Ah, comment c'est dur de viser. De loin comme ça, avec cette arme, c'est super dur de viser. Je me dépêche, parce qu'ils me tirent tous dessus. Allez, on va essayer d'en buter. Ah, c'est dur. Ah bah voilà, on est descendu. Ouais, donc on n'est pas mort, c'est fait exprès. Alors, hop. Peut-être des grenades pour nettoyer un petit peu quand même, parce que bon, là, il y a des mecs un peu de partout. Allez, meurs par là-bas. Voilà. Je crois bien qu'il est tombé. Je crois bien qu'il est mort. Il y en a encore ou il n'y a pas ? J'ai la musique d'un jeu dans la tête. Ah oh, là c'est mieux. Ça, c'est un petit sniper. Une sorte de sniper. Par contre, je me fais tirer dessus, c'est pas top. On va essayer de le viser. Ouais. Non, je veux le viser, il est où ? Vas-y, montre-toi. Montre-toi, montre-moi ta tête. Voilà. Voilà. Je crois qu'il est mort. C'est bien un petit sniper qui mitraille, c'est. à plus d'une balle, vous voyez qu'il n'y a pas le recul. Enfin, si, il y en a, mais. Mais pour un sniper, c'est bon. On pourrait considérer comme une arme cheatée sur un jeu en coop. En coop ou comment ça s'appelle ? Ou en multi, quoi, du moins. Quand c'est des petits snipers mitrailleurs, là, c'est toujours un peu cheaté. Alors, où il y a des gens là-haut. Hop. Hop. Très pratique, ce sniper. Très, très pratique.
On peut nettoyer facilement la zone. Allez, on continue. Alors eux ils sont là-bas. Peut-être y aller tout doucement. Ah oui, il y a des ennemis là. Ça sent l'ennemi ça. Donc on va essayer de les buter de loin vu qu'on a une arme qui est quand même assez. Qui permet d'être assez distant par rapport aux ennemis. Hop, il y en a un là-haut. Voilà. Il y en a un autre qui apparaît. Ah, il y en a en dessous. Ouais, je suis pas arrivé à le buter. Hop. Bon, il a dû se faire buter par les autres, par mes collègues. Alors, on continue. Il doit y avoir des mecs là. Si mes potes tirent dessus, c'est qu'il y a des mecs. Hein. Vive les paves d'avion qui est au milieu, super pratique. Voilà, on dégomme un peu. Hop. It's shot. Et ça ne s'arrête pas. Alors ce qu'on va faire, on va en profiter. Voilà, on va profiter qu'il n'y a personne pour vite rejoindre nos potes là. Oh, qu'est-ce qui vient d'arriver? Il y a eu un gros bruit. Oh. Ah, ça c'est quelque chose de gros. Voilà, c'est lui. Il y a toujours des mecs qui restent en retrait, on sait pas pourquoi. Du coup, on doit s'en occuper. Alors, qu'est-ce qui nous tire dessus? Ça va être au moins un tank. Au moins un truc de fou comme ça. Voilà, c'est ce truc là-bas. Vous avez bien raison, c'est une sorte de gros tank. Allez. Alors, hop. Lui, il est out. Munitions faibles. Oui, je sais que les munitions sont faibles. Alors, on va essayer de le contourner. Je crois bien que c'est le but, hein. Le contourner, on va passer par au-dessus. Voilà, un ennemi, mais c'est bon. Il n'y a plus personne. Mitrailleuse légère. Ah, putain, ça c'est de l'arme, ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On s'en fout. Dans l'armoire, il y a des trucs ramassés. C'est du C4. Génial. Ouais, posez le C4. Alors, on va à la fenêtre. On pose le C4, voilà. Et on appuie sur le bouton. Ça va faire boum. Ça a fait boum. On recommence. Bon, les mecs, ils ont pas remarqué que j'étais quand même au-dessus d'eux, que je leur tirais dessus. Hein. Ils me diraient, ils peuvent pas monter non plus le viseur. C'est bon. Il y a plus de char. Tank là. C'est terminé pour ce tank. On continue notre ascension, notre chemin. On va encore en croiser à tous les coups. Ouh, les ennemis. Suivre. Bon, ben, je pense donc. Allez, on en profite de ce petit laps de temps pour vous laisser 5 minutes de gameplay. C'est parti. Road, c'est par là. C'est dingue qu'il y ait des gens qui vivent si près de l'épave. Et encore plus dingue qu'ils viennent pas nous aider. Bande de lâches. L'IEM a dû leur flinguer les couilles aussi. C'est pas parce qu'un avion est tombé du ciel qu'ils sont devenus des combattants. Peut-être qu'ils sont pas prêts à se battre. La PC ne harcèle pas ces personnes. Elles essaient juste de vivre leur vie. En plus, Boone vous a donné un ordre. Boone n'est pas là. Nous, on va faire ce qu'il faut pour rester en vie. Résistance, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes une communauté pacifique. Il y a des familles ici. Vous allez nous attirer des ennuis. Tout le monde se calme. Dès que les autres arriveront, on s'en ira. Je suis sûr qu'ils n'ont pas été suivis.
On s'en va. Mais vous devriez tous aller à l'intérieur. Faut pas attirer l'attention. Bon sang, Connor. Il fallait pas venir. Vous risquez d'attirer très gros ennuis à ces gens. On n'avait nulle part où aller. La zone grouille d'hommes de la PC. On est censé se battre pour ces gens. Pas se cacher derrière eux. Non, on se plante pas. J'en ai assez de vous deux. Vous êtes le pilote? Je suis Boone Carlson. J'ai créé cette cellule. L'armée américaine se rassemble à San Francisco. On a besoin de vous. Il lui faut du carburant. Et on a un plan. Dans la maison! Pitié, ne faites pas de mal à mon bébé! Oh, c'est pas vrai! Il manquait plus que ça. On est de votre côté, madame! Baissez-vous! On va vous protéger! Défendez l'avant de la maison! Non! Il faut les empêcher Orina, de sur les corps, Orina! Calmez-vous, madame! Et nous revoici pour cette dernière ligne droite de jeu. On va pas tarder. Voilà, on va arriver encore dans une maison. Ça a pas l'air d'être terminé. Hop, rejoindre Hopper. Il nous faut Goliath. Où est-il? Derrière. Récupérer le viseur de Goliath. Ouais. Ouais. Ah bah il vient d'arriver, ça doit être ça, Goliath. Hop, viseur de Goliath. Système prêt. Ok, d'accord. Mais on va s'arrêter là, donc comme je disais, on va pas aller plus loin, ce sera donc tout pour Homefront. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.